je vais te créer une nouvelle passion, la lecture. S'il y a bien une chose que tout le monde veut faire mais pourtant personne n'y arrive, c'est de remplacer son téléphone par un livre. Et c'est pour ça qu'on va pas le faire. Donc comment garder ton téléphone mais lire plus? Voici 3 étapes. Choisis un livre d'un sujet que t'adores. Si c'est un livre qui t'apprend des choses, ne cherche pas à les retenir. Je te jure que ça va juste t'empêcher de le lire. Pas mon délire en fait, moi j'aime pas trop tout ce qui est pas sérieux, tout ce qui est pas le travail. Deuxième étape, trouve 3 petits créneaux de 1 ou 2 minutes dans ta journée pour lire, par exemple matin, midi, soir. Et enfin, attends d'avoir lu 50 pages avant d'abandonner parce que tous les livres mettent un petit peu de temps à démarrer. Les 3 petits créneaux, c'est vraiment une technique folle, tu peux l'appliquer à n'importe quelle habitude.